Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le premier live de cette nouvelle semaine, le live du mardi, le live du jeu d'aventure, du point and click, et en l'occurrence du FMV, puisque c'est un jeu en FMV que nous allons faire. Un jeu que vous pouvez trouver sur ce côté. Comme vous pouvez le voir pour l'instant sur la petite fenêtre d'os sur le site www.abandonware-france.org. Puisque ce jeu est proposé gratuitement, puisque c'est un abandonware, l'affaire Morlof version CD française que l'on doit à Titus Interactive. Bonsoir Kikiche, pile à l'heure, bah ça tombe bien, c'est toi qui as proposé le jeu, donc c'est bien que tu sois là dès le début. Et donc nous allons lancer le jeu. Je voulais qu'on n'en loupe pas une miette, donc c'est pour ça que je n'ai pas du tout lancé le truc jusqu'à. C'est jamais, il y a peut-être une petite intro, un truc, il faut vraiment rien louper, je sens qu'on va se marrer. Allez, c'est parti, je lance le jeu en Windows 3.11. Groupe CPIO Multimédia présente. Je crois que Titus a juste. Interactive Picture. Je crois que Titus, ils ont juste distribué le jeu, je suis même pas sûr qu'ils soient vraiment derrière. Également disponible sur CDI, certainement avec des vidéos de meilleure qualité. L'affaire Morlof. Rien que la musique déjà, tu te sens dans l'ambiance des vieilles séries policières françaises de TF1. C'est pas forcément un compliment ce que je suis en train de dire. Ah, le téléphone sonne. Dépêche-toi, ça sonne! Il n'y avait pas de portable à l'époque, hein. Allô, Virginie? Ouais, je rentre à l'instant du journal. Non, j'ai pas eu le temps. T'es où? Derrière la place du tertre? Ah. Avec Irina? C'est qui? C'est qui? Ok, je te rejoins. Allez, à tout de suite, je t'embrasse. Même pas une vidéo avant de te présenter le truc. Pour du FMV, c'est beaucoup d'images fixes quand même, hein. Ça manque d'animation. Ah, ça y est. Oh bon, sur l'affaire, l'histoire se réduit. C'est pas vrai. Bah c'est ça, pique lui son sac. Virginie. Ils ont enlevé Virginie. Et comme par hasard, il y a un mec qui arrive avec un appareil photo. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Regardez ça, il est tout traîné là. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, franchement, je me casse, hein. Oh là là. Oh, le jeu d'acteur, je vous jure. Ah, lui, c'est un policier, ça se voit. Vous avez vu ça, patron? C'était dans une enveloppe glissée sous la porte du commissariat. C'est un type qui a dessoudé une fille et qui s'est fait prendre en photo. Retrouvez-moi ce type et foncez chez lui. On sait déjà qu'on doit pas rentrer chez nous. Demandez le journal. Dernière révélation sur l'affaire Yanova. Achetez le journal. Les dernières nouvelles. Il n'y a plus personne. Bande de radins. Je crois que même en 1990, il n'y avait pas de crieurs de journaux hein, dans les rues de Paris. Bon, après, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est quelque chose qui n'existait déjà plus. Hein. Bon, bah alors déjà, vous avez l'ambiance du truc. Alors, en plus, voilà, je peux jouer, ça y est. Donc, j'ai la petite fenêtre toute petite. On remarque aussi une chose, hein, le fond vert, ils n'étaient pas fan-fan. Hein. Il y a des petits problèmes de détourage. Hein, mais bon. On va pas non plus râler, hein. Mais il faut quand même admettre que dans un Tex Murphy, c'est un petit poil mieux fait, hein. Mais bon, après, hein. Tout le monde n'a pas les talents de développement de la société Access Software. Donc, j'ai un canif, des jumelles, une carte d'identité. Tu peux la regarder? Ah, c'est même pas la mienne. Donc je suppose que c'est la madame qui est morte, Yanova Irina. Elle habite 45 rue de Tolbiac à Paris 13.
Donc je suppose que je peux me rendre ses ailes. J'ai ma clé, ce qui paraît logique. La clé de Virginie. Bon, on va considérer que c'est sa copine. Bon, ils habitent pas ensemble. Ça ne nous regarde pas. Et la clé trouvée sur Irina. Parce que c'est vrai que, quitte à trouver le cadavre de quelqu'un, on fouille le corps pour trouver des objets. Après, il faudra pas qu'il s'étonne, qu'il se fasse... Enfin bon, je ne critique pas le monsieur. Alors, je vois qu'il y a un petit réveil qui avance, qui avance, qui avance. Oui, oui, tout est normal. Jusqu'ici, tout est normal. Le réveil avance, il y a une date. D'ailleurs, je trouve que les minutes passent très vite. On va peut-être bouger, parce que si le jeu est limité dans le temps, on n'est pas dans la merde. Alors, je ne peux pas cliquer sur la porte, je ne peux pas cliquer ici, je ne peux pas... Bon, alors, on a une sauvegarde de lecture, je ne sais pas à quoi ça correspond, ça. Ah, ce sont les options. D'accord, je peux revenir au jeu. Non, je vais pas sortir du jeu. Je veux juste sortir des options. Et un plan de Paris. Ah, bah, je suppose qu'on peut se déplacer par ce biais-là. Donc, place du Tertre. On va pas retourner sur les lieux du crime, ce serait Home Sweet Home. Je crois qu'il y a les flics là-bas, donc on va peut-être pas y aller. Le studio de Virginie. Le commissariat, bah oui. Allons nous rendre. Comme ça, le jeu sera vite fini. Non, non, on va pas exagérer non plus, hein. On va essayer d'avancer un peu. Les Beaux-Arts, je sais même pas pourquoi il veut aller là. L'appartement d'Irina et un hôtel. Bon, bah, on va déjà aller voir l'appartement d'Irina. Quoique les flics le surveillent peut-être, hein. C'est tout ce qu'on a, hein, pour l'instant, ok. Bon bah, allons-y, on verra bien. Si je vois un flic, j'y vais pas. La vidéo timbre-poste, quand même, hein. Bonsoir, c'est Célan, comment vas-tu? C'est quoi cette musique de film porno? Les choix de musique sont bizarres, hein. Oui, le gars. Ah bah écoute, c'est sympa de venir faire un petit coucou. Et sinon ça va bien. Oui, bien sûr. Elle s'est fait tuer. Qu'est-ce que tu tapes à la porte? Quoique c'est vrai qu'il est pas totalement con. Elle était peut-être avec quelqu'un. T'as raison. Je suppose que... Alors, comment on fait pour utiliser l'objet? La main. Rechercher comment utiliser clé... Ah, clic droit. Donc, utiliser la clé sur la serrure. Oh, c'est la bonne clé, dis donc. Bah, moi, je suis pas venu pour rien. J'ai vu une petite loupe, ok. Ah, au moins, ils ont agrandi sur les images fixes, c'est bien. Ah, ça nous change d'Atex Murphy, quand même, hein. Ça, monsieur, c'est la qualité française. C'est du 100% made in France. Et avec des moyens français. Elle était fan de Jean-Claude Van Damme, apparemment. C'est double impact, je crois, l'image, là. Je suis pas fan de Van Damme, mais ça me dit vaguement quelque chose. Bon, c'est bien beau, mais c'est juste pour nous montrer l'image de Van Damme, là, franchement. C'est bien cela. Ben, ça va. Ah, on peut espionner par le store. Une spécialité française, ça aussi. Espionner le voisinage. N'empêche que pour l'instant, bah, on peut rien faire d'intéressant. Et si tu utilisais tes jumelles? Eh bah, tu peux même pas.
Ah bah t'as raison, on va fouiller le salon. Mais y a rien à faire. Ça deviendrait presque frustrant cette histoire, hein. Les gars, ils ont pris des photos et ils sont tout fiers, donc... Ah, on peut allumer la télé. Info de 13h. 13h, 20h. Ah d'accord, et entre, il n'y a pas de programme. Restriction budgétaire. Donc je suppose que tant qu'on n'a pas 20h, 13h, on peut pas voir les infos. Eh bah dis donc, ça limite un peu, hein, quand même. Bon, on a des jolies vues sur les toits de Paris, j'ai envie de dire. Même si c'est un peu fixe tout cela, hein, pour du FMV, il faut bien admettre que c'est un peu réducteur. Ok, elle avait des jolis tableaux. Ça doit être des chaînes des infos. La chaîne des infos, pas vraiment en continu. Ah bah ils avaient pas les moyens de mettre des vraies émissions dedans. Ah bah la chambre, voyons voir ce qu'il y a dans la chambre. Ah, au moins je peux prendre un truc, tiens. L'agenda. Est-ce que je peux le consulter peut-être? Monsieur Gervaux m'a fait confiance. Premiers enregistrements s'avèrent fauteux. Morloff est un gangster, une crapule. Ça tombe bien, c'est l'affaire Morloff. Donc Morloff est une crapule, on le sait. Déjeuner avec les copains à la pizzeria et exposition au musée d'Orsay. Mercredi, piscine. Enregistrement, préparer les affaires pour week-end à la campagne. Svetlana s'est installée en face de chez moi. Ciné avec Virginie à 20h. Mercredi, piscine. Donc mercredi, elle va à la piscine. Enfin, elle allait à la piscine, elle est morte. Acheter du matériel de peinture. Et rencontrer Morloff au Joris. C'est un indice, mais je ne sais pas où est le Joris. Et rencontrer fille sympa Virginie Grinval au Beaux-Arts. Révision examen. Ah, elle a zappé la piscine. Rendez-vous 22h Morloff au Joris. Week-end Belle-Île-en-Mer. Ah, reprise de la piscine. Arrivée d'une nouvelle recrue Stéphanie. Svetlana sort avec Tiopkin, écrit mal en plus. Hein. Je travaille à la fois ma peinture et mes nouvelles occupations. Rencontre avec Morloff pour l'échange. Toujours à la piscine, reste au ciné avec Virginie, exposition de peinture au Grand Palais, j'ai bientôt fini ma toile. Dossier et Tiopkin, ouais. Dossier et cassette prêt. Coffre, ouverture à la vie. D'accord. Champollion plus Molière plus Oscar Wilde plus Piaf. Ça sent pas l'indice pour ouvrir le coffre. Ouverture à la vie. Donc année de naissance de Champollion, Molière, Oscar Wilde et Piaf. Bien sûr. Et on n'avait pas Wikipédia à l'époque, hein. Faut prendre le Larousse. Et vu que j'ai pas le Larousse, déjà je sais même pas où est le coffre en question. Donc examen, ok, rendez-vous à minuit 20 pour l'échange. Svetlana m'inquiète. Elle ne sort plus de chez elle. Je vais demander à Virginie de m'accompagner au rendez-vous de demain. Chercher clé de voiture chez Stéphanie au 34 rue Saint-Denis. Encore une adresse à aller visiter. C'est ma pays de culture, facile pour nous autres Français. Oui, bien sûr, je connais tout ça par cœur. Mais bon, si elle avait des antisèches, je serais pas contre. Honnêtement, je serais vraiment pas contre. Allez. Je sais pas pourquoi, mais... Ah ouais, t'es obligé de te retaper le truc à chaque fois.
Ah, on peut le zapper. Ouf. Oh, le truc lourd. T'as refermé à clé ? Je voulais regarder, en fait... T'es sûr que t'as pas mis un... Enfin, c'est pas le meilleur endroit pour mettre un coffre, parce que derrière, c'est le mur extérieur, mais on sait jamais. Un jeu qui est pas logique, hein, ça peut arriver. Hein. Non, mais c'est même pas la scène de crime, ici. Hein. Bon, où c'est que je peux aller, du coup ? Place du Tertre, Home Sweet Home, Studio de Virginie, Commissariat, Père Lachaise, Appartement d'Irina, Hôtel. Ah bah rien de plus. Hein. Je viens de regarder, la Solus n'est pas la bonne sur LTF. Ah bah en plus, on n'est pas encore à la Solus. Hein. On va aller chez Virginie, tiens. Heureusement, il connaît le code de sa copine, parce que moi, je le connaissais pas. Hein. Alors, je suppose que si j'utilise la clé de Virginie sur l'appartement de Virginie, je peux rentrer chez Virginie. Pour l'instant, le jeu respecte une certaine logique, ça va, ça fait pas peur. Elle a quand même calé une place, hein. Elle doit pas l'inviter souvent, son mec. Ah, un répondeur. Ah, et je peux l'utiliser. On va rembobiner et on va écouter. Virginie, il est 18h et j'ai un rendez-vous ce soir, place du Tertre, à l'endroit habituel. Tu sais, c'est à propos de ce que je t'ai dit. Je préférerais que tu viennes, et même avec ton ami, si tu peux. Rejoins-moi devant, au rez-de-chaussée, devant la porte du 24 rue des Trois Frères. J'ai aussi un studio à cet endroit. Je t'expliquerai. Elle a un studio ? À tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle a deux appartes ? C'est tout ? J'aime beaucoup le jeu d'acteur, tout en sobriété. Avec la musique qui va avec. Ah ouais, une photo. C'est une photo de Virginie, ça tombe. Voilà, elle a une photo d'elle chez elle. Mais ça peut aider, hein. On sait jamais, si jamais je dois demander à quelqu'un s'il l'a vu. Ça, c'était le truc vachement utile. C'est un peu comme botter le cul du photographe dans Nord et Sud. Ça sert à rien. Ah, et en plus, elle a vu sur Sacré-Cœur. Eh ben, ça doit coûter cher, ça. Ah, c'est tout. Bah, dis donc, elle a pas un gros appart, hein. Ça servait à rien, mais c'est pour montrer que c'est un jeu en FMV, faut faire passer des gens de temps en temps. Qualité française même dans l'humour, oui c'est tout à fait ça. Du coup... Ah, il y a le studio d'Irina du coup qui est apparu sur la carte. Ben on va aller faire un tour à son studio. Je suppose qu'elle a pas donné le code. Bon, je crois que ça veut pas. Hein. C'est pas une clé qui permet de passer. Bon!
Et comment on fait pour rentrer ? C'était pas fait un ponce-bête là-dedans. Hein. Est-ce qu'il y a des flics qui sont devant chez moi ? J'entends des communications de police. On va pas rester trop longtemps dans le coin. Le suspect est arrivé. Restez discret. On peut aller aux Beaux-Arts. Non, ça a l'air d'être fermé. Le Père Lachaise. Ah, le Père Lachaise, c'est ouvert. Oh punaise, et si c'est comme ça qu'ils ont fait pour qu'on puisse trouver les années. Je vais Alors attendez. Je vais m'ouvrir. C'est normal, il y a quelqu'un qui hurle, mais tout va bien. S'il faut se balader au cimetière du Père Lachaise pour pouvoir trouver les années. Correspondant au carnet, alors attends, le carnet, du coup je vais le reprendre. Alors, vas-y, qu'est-ce que c'était? Faut que je me le note, je vais prendre un bloc-notes à côté. Alors, nous avons... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est trucidé, hein. Mais je suis pas sûr que Champollion, Molière, Oscar Wilde et Piaf soient enterrés au Père Lachaise, hein. S'il me trouve ces quatre là, alors là, respect. L'ambiance a l'impression d'être dans un vieux cimetière. C'est le Père Lachaise, hein. On est à Paris, on n'est pas... Ok, ils ont fait des jolies photos. Non mais ça fait peur, et si c'était réellement comme ça le Père Lachaise, mais personne n'irait. Il y a pas des loups au Père Lachaise, mais c'est quoi ce bordel? La représentation du Père Lachaise est assez originale, dirons-nous. Eh ben, c'est pas comme ça que vous allez attirer du monde, hein. Alors... Qu'est-ce que j'ai pas encore visité? L'appartement d'Irina, non. Le Père Lachaise, bon, bah, j'ai pas trop envie d'y retourner. Là, il y a les flics. Là, c'est le lieu du meurtre. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Commissariat, peut-être pas. Bah, l'hôtel. Hôtel Printania. Mon Dieu. Eh bah, dis donc. C'est... Ah, tu peux dormir ! Oui, ben bien sûr, on a que ça à foutre. Oui, regarde la cour intérieure aussi, c'est très sympa. Je sais pas, la plupart des photos, on peut rien y faire. Je sais pas. C'est pas ce qu'ils ont cherché à faire. Ah, ok, on va dire que l'hôtel n'est fait que pour dormir. À Champollion, c'est au Père Lachaise. Voilà.
Ils ont quand même... Ils se sont fait chier à faire des passants qui passent. Ben y'a pas de soucis, bonne soirée à toi. Merci d'être passé. On va essayer de chercher la tombe, hein, du coup. Sous un obélisque. Encore faut trouver un obélisque dans ce bordel, hein. Ah, Molière. T'as trouvé Molière. Donc, s'il te plaît, 1622-1674. Bon, je note toutes les dates, hein, du coup. Oui, en fait, je suis sûr que c'est juste... Ah, bah voilà, on peut avancer quand même. Ah bah voilà, Champollion. Tu vas tous les trouver en fait. 1790, 1800... Je joue à une suggestion de Kiki, et salut à toi Goloso. Je te présente le Père Lachaise vu par l'affaire Morloff, c'est flippant. C'est très flippant. Il y a des loups au Père Lachaise, faire gaffe. C'est terrifiant. Ah, mais moi je le connais pas du tout non plus, hein. Je te rassure. Et limite, je crois que je m'en serais remis si je l'avais pas connu. Ah, pour l'instant, c'est la production française au rabais. Ah, c'est... Bah, tu vois, je crois qu'ils ont voulu surfer sur la vague du FMV, mais ils ont fait ça avec des photos. Ça fait assez bizarre quand même, hein. Faire un FMV avec des photos. C'est... On est plus proche du Myst que du Tex Murphy quand même, là. Hein. C'est là que tu sens qu'il y a eu une grosse baisse de qualité dans le jeu par rapport à la semaine dernière. Des loups au Père Lachaise. Bon, il faut encore que je trouve la tombe de Oscar Wilde et de Edith Piaf. Avant de me tirer une balle parce que la musique est déprimante. Ah bah oui, c'est français, hein. Attends, c'est tellement bien foutu. C'est une production française faite avec des moyens français. Pour un public, pas français, parce qu'à mon avis, ça a pas dû marcher des masses, hein. Ah mais je critique pas les devs français, hein, il y en a des très bons. Regarde Little Big Adventure 2, c'est français aussi. Mais bon, le problème, c'est que... il n'y a pas que du bon dans le dev français. Là, Je t'ai dit, quand j'ai entendu le générique, j'ai dit ça me fait penser aux vieilles séries policières de TF1 dans les années 80. On est au même niveau dans le jeu. Non, mais en plus, il n'y a rien à regarder. Elles sont où, les deux autres tombes? Il y a que des photos fixes pour du FMV, c'est vraiment lamentable. Tu m'étonnes que le jeu y tienne sur un CD. C'est pas des vidéos qui leur ont bouffé le plus de place, hein. Non, je crois qu'il y aura Julie Lescaut avant qu'il va passer. Bon, y a rien en fait à faire. À chaque fois, t'as des photos fixes qui servent à rien. Non mais je vais aller me rendre, hein, je vais aller chez les flics et je vais dire c'est bon, c'est moi qui l'ai buté. Arrêtez-moi, arrêtez ce jeu, j'en ai marre. J'en peux plus, sortez-moi de ce jeu. Non mais t'as envie de te tirer une balle en plus quand tu entends cette musique, c'est terrible. Alors, le studio de Stéphanie, oui mais je crois qu'on l'a déjà assez fouillé. Hein. Commissariat, si j'y vais, je pense que je vais me faire arrêter. Mais serait-ce vraiment un mal? Qu'est-ce que t'en penses, le chat? Est-ce que tu penses que ce serait un mal d'aller chez les flics pour se rendre, se faire arrêter et finir tout de suite le jeu? Ouais, mais c'est pas la même qualité que dans Broken Sword, hein. Donc, Père Lachaise, non, je crois qu'on y est assez allé. Derek,
Non, j'y tiens pas. Bon, qui est, on va faire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a comme truc sympa à faire Les flics qui sont toujours là. Ils sont toujours là. La discrétion incarnée, les flics. Hein. Il n'y a pas un autre endroit à fouiller, là. C'est quoi tout à droite? Bah, c'est le Père Lachaise. J'y tiens pas. On en revient, hein. Ah, on peut aller... Ah non, non, Meurtre dans un parterre de fleurs. Le titre vend du rêve en plus. Il y a vraiment un jeu d'Eric? Non. Non, parce que si on fait dans les trucs... Si on fait dans les jeux qui ont de la... Est-ce qu'il y a un jeu Joséphine Ange Gardien? On sait jamais, hein. Peut-être que TF1 s'est lancé dans le développement culturel. Demandez le journal. Affaire Yanova, des révélations exceptionnelles. Les dernières révélations sur l'affaire Yanova. Demandez le journal. Ça fait peur, hein, quand même. Hé, hey, il y a un journal au fond. Oh, bah tiens, hé. Regardez, c'est moi. L'assassin pris en photo. C'est juste pour ça? Voilà, je suis allé à Place du Tertre, pourquoi? Pour chercher un journal qui traînait par terre. Bon. Beaux-Arts, c'est toujours fermé. Oula, il y a les flics! Reste pas dans le coin! Heureusement qu'ils sont pas regardants, hein. Papier, s'il vous plaît. je ne les ai pas. Bon. Y a-t-il toujours les flics? On va attendre après 6 heures, hein. Peut-être qu'ils vont partir. Avec un peu de chance, ils finissent leur service. Le problème, c'est que là, j'avoue, il n'y a pas grand-chose à faire. Que j'ai pas récupéré d'objets en plus, hein. J'ai quoi? J'ai un agenda et j'ai un journal. Et j'ai la photo que je pourrais pas montrer à grand monde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'aider? Il y a le chat qui veut m'aider. Ah. Ah ouais, mais je pouvais déjà rentrer, non? Je crois qu'il y a un truc à jouer là. Ah mais range ton couteau, oh. On va l'observer à la jumelle. Voilà, attends qu'il y ait quelqu'un qui revienne. Le truc discret. T'appelles code, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est pas mal. On va attendre que l'autre revienne. Y'a quelqu'un qui pourrait rentrer chez lui, s'il vous plaît? Ouais, en fait, ils ont photographié avec des portes.
et le cimetière du Père Lachaise. Bon, y'a personne qui vient? Ah ouais, merde, il est plus de 18h, y'a le couvre-feu. Ce serait quand même bien que quelqu'un vienne ouvrir la porte. Non, parce que j'attends, j'ai mes jumelles. Quelque chose me dit que j'ai loupé le coche. J'ai un peu l'air d'un con. Je suis sûr que si tu attends un peu, il y a quelqu'un qui va venir. Il n'y a pas un gars qui va commander des pizzas, au pire je peux passer avec le livreur. On entend des bruits de pas, mais en fait, il n'y a personne qui passe. Hein. Bon, attends. Je viens ici. Je reviens là. On va tenter la bonne vieille technique du « je pars, mais je reviens ». Avec un peu de chance, ça réinitialise la connerie. Ou pas. Ou pas. Ah ah ah. Vas-y, 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 vas-y. Observe. Alors attends, Bon, c'était pas ça. 2509B. Alors attends. Oh punaise, c'est ça. Merci. Ah ouais, mais on sait pas à quel étage elle habitait, hein. Attends, c'est quoi, c'est un chat, c'est un chien? Ça va aller le coup de... Ah, le numéro de l'appartement est inscrit sur la boîte aux lettres. Bon, bah, dans ce cas-là, je vais redescendre. Hein. Le problème c'est que... Attends. Ah si. Emmanuel Bourguignon. Irina Yanova. 301. Bon bah 301. C'est quoi ce chat là qui miaule? Là, mais... Ah oui, forcément, hein, ça peut pas être une clé qui marche sur deux apparts, hein. Bonjour monsieur, vous avez gagné un autre concours. Ah. Il
J'ai gagné, j'ai trouvé quelqu'un qui ouvre la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Yes, oui, un ami de Virginie. Je ne la connais pas. Comment vous êtes-vous procuré la carte d'identité d'Irine? C'est vous qui l'avez tuée. Ah! Oh merde, j'ai perdu! Oh, c'est con ça! Ah, on peut mourir en plus dans le jeu! Ah bah merde alors! Attends, tu m'as éjecté du jeu? Eh oh! Attends, je relance, eh oh! Donc, il y a un petit souci, c'est que il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Ça, je l'avais pas vu venir. Ah bah merde alors! Je me suis fait buter! Bon, on peut zapper les trucs là. Ouais, on va pas se retaper toutes les séquences, hein. Ouais, bah zut, j'ai perdu. Bah tant pis, c'était l'affaire Morloff, rentrons à la maison. Qu'est-ce que tu as, toi? T'es pas content? À ma photo? Bon, on va refaire en express ce que j'avais fait. Rechercher les objets et autres trucs que j'avais trouvés. Alors, clé trouvée sur Irina, non. La clé de Virginie. Ah non, mais en plus, si tu peux te faire buter... Virginie, il est 18h et j'ai un rendez-vous ce soir, place du Tertre, à l'endroit habituel. Tu sais, c'est à propos de ce que je t'ai dit. Je préférerais que tu viennes, et même avec ton ami, si tu peux. N'empêche, la voisine, elle est un petit peu... Devant la porte du 24 rue... C'est vous qui l'avez tué. J'ai aussi un studio à cet endroit. J'ai rien fait. Je t'expliquerai. À tout à l'heure. Oh, le beau téléphone que voilà. Non, appuie sur bis. Voilà, ça sert à rien, mais fallait le faire. Un petit souci dans les boucles audio. C'est vraiment que dans les boucles audio qu'il y a un souci. T'es sûr? Non, il n'y avait rien d'autre ici. Ok, bon, direction chez... Alors, commissariat, non, monsieur Tom. Ah, mais attends, t'as plus l'appartement d'Irina, le premier? Ah, ouais, mais c'est normal. Il faut d'abord regarder sa carte d'identité, je suppose. Ah non, je l'ai vu. Voilà. Et mieux. Ouais, c'est ça, j'ai pas regardé sa carte. Je pense qu'il mérite un remake HD. À mon avis, ils ont perdu les rushs depuis longtemps.
Ah, j'avais pas trouvé cette clé. Ah ben, ça valait le coup de le refaire, tu vois. J'ai pas trouvé la clé la première fois. Bon, ben, j'ai trouvé la deuxième. Ça méritait de revenir rien que pour ça. Toujours rien à la télé. Ouais, je vais finir la fouille de l'appart et puis je vais ensuite sauvegarder. Bon, alors ça, on a déjà. Voilà, je crois que c'est bon. Il n'y avait rien d'autre. Hein. Toujours rien à la télé. Hein. Alors, on va sauvegarder ce coup-ci. Hein. Ah, mais. Il a sauvegardé ou moi ce con? Mais non, il a pas sauvegardé. Non mais... comment tu sauvegardes sur ce truc? Sauvegarder. C'est sûr qu'elle marche, la sauvegarde. T'appuies dessus, ça fait rien. Alors attends, si j'appuie dessus. Ah, voilà. D'accord. C'est super clair. Il faut appuyer dessus et ensuite taper. Vous admirerez la logique du truc. Moi, j'aurais... Personnellement, oh, bon, je dis ça, hein, je suis pas très... Je sais pas trop comment on fait ce genre de choses. Hein. Moi, j'aurais vidé la zone pour indiquer « J'ai pris en compte ton truc. Tape le nom de ta sauvegarde. » Ça a l'air mieux, là. Ça a l'air mieux. Bon, allez. Ouais, juste pour le fun, attendre que quelqu'un vienne. C'est normal qu'on n'entend plus l'ambiance de la rue, du coup. Non, non, pas one shoot, hein. Je vais me faire shooter dans la tête de nouveau, hein. Bonsoir Ardo, comment ça va? Est-ce que tu veux un avis franc ou tu veux un avis. Comment dire? Pour un FMV, c'est un peu mort. Puis la représentation de Paris, surtout du Père Lachaise, est hyper réaliste. Je me souviens très bien des grandes forêts, des loups. Ah, franchement, c'est une belle description du Père Lachaise. Bon, il y a quelqu'un qui vient l'ouvrir cette putain de porte. Pas parce qu'on connaît le code que. Ouais, mais là c'était des loups, hein, vu le bruit. Et puis j'ai l'impression qu'on égorge des gens aussi. Il y a des cris bizarres. Soit il y a une tournante, soit il y a des gens qui se font trucider. J'hésite. Ah, mais c'est du Windows 3.11, monsieur.
Ouais, je connais le code, mais c'est... Ouais, c'est vrai qu'on va pas se faire chier. Y'a personne qui veut venir en plus. Et le chat, il est toujours là. Hein. Ah, on a trouvé deux clés chez Irina. Ah bah c'est malin ça. Ça passe pas. Et un grand coup de dent. Ah, il y a trois clés en plus. Bon, la dernière sera la bonne. Et tout ça pour se rendre compte qu'il n'y a rien dans la boîte aux lettres. Ah, du coup, le chat s'est barré. Une adaptation sur CPC. Oui, non, mais c'est vrai que... Alors, je vais utiliser cette clé sur la porte. Oh, un ordinateur! De toute première fraîcheur, en plus. Qu'est-ce que c'est? Elle a beaucoup de clés, hein, quand même, Irina. Oh, je pense qu'on pourra voir l'ordi de près. Oui, oui, t'inquiète, attends. Carte grise d'Irina. Alors, elle a une Renault Super 5. On peut pas voir la couleur, si c'est possible. Mais regardez-moi ça, un répondeur. Ah, et on peut pas... On peut pas. Bon, on peut pas. Bis. Flash d'information spéciale. Ah. L'assassin pris en photo à la une de plusieurs quotidiens nationaux. Le meurtre d'une femme hier sur Montmartre. Un inconnu a remis une photo à la police. On peut y voir nettement le journaliste Paul Kern penché sur la victime, une arme à la main. Une arme? Mais j'avais rien. Il nous faut le login et le mot de passe. Ah, on peut même pas taper au vrai clavier, t'es obligé de passer par là. Irina. Password. Ben, je sais pas. Invalid password. Ouais, Irina, je m'en... Ah, tu crois qu'elle aurait... Non. C'est pas Irina, Irina. Irina, j'avais compris pour le login, mais le password. Un, deux, trois. Ah bah on peut pas taper. Ça se tente. On va voir si elle protégeait bien son ordinateur. Ah ouais, elle le protège bien. Merde, elle était intelligente. Mmh.
ne nous a pas mis un petit indice dans son calepin? Regarde le tableau accroché au mur. Ouais, bah joli tableau, mais à part ça... Ah ouais. Eh, mais on n'a pas trouvé toutes les années encore, hein, sur le truc. J'ai que Champollion et Molière, hein, j'ai pas trouvé la tombe de Oscar Wilde et de Edith Piaf, hein. Mais je pense avoir la clé, par contre. Ah non, Jim Morrison, il est pas dans la liste. Moi, je suis ce qui est écrit dans le calepin. Oh merde, il va falloir retourner à... Ou faire la chaise, du coup. Ah putain, c'est dépressif, ça. Allez, on y va. J'ai le code, mais faut chercher un peu. C'est ça, dit, qu'est-ce que tu me fais, là? Bah, je sais pas. En fait, on est plus dans l'ambiance de Shivers que dans l'ambiance de... du Père Lachaise. La fenêtre de jeu est un peu trop grande, je trouve. Ah, Wild Oscar. Ah, pardon, je l'ai, là. Allez, y'a plus qu'à trouver Piaf. Si on suscite pas avant, parce que la musique avec les cris et tout. Puis la fenêtre de jeu en timbre poste, elle est pas beaucoup non plus, hein. Champollion, on a déjà noté. Ah, Edith Piaf. Eh bah dis donc. Super, j'ai trouvé, on peut se barrer. 1915-1963. Allez, retourne au truc. Ah, parce que en plus, une. T'es obligé de retaper le code. C'est vrai, pourquoi te faciliter le boulot, hein? Alors. Je dis que ça mérite une sauvegarde, hein. Alors, on va peut-être déjà utiliser la clé. Déjà, on va essayer de trouver la bonne. Ah bah, à l'époque, j'aurais peut-être usé du post-it, oui. Mais la question, c'est est-ce que j'aurais acheté le jeu? Ça, j'ai un doute. Alors, attends. Naissance. Donc, bah, à ce niveau-là, il faut faire un petit. Vu que je n'ai pas envie du tout de calculer ce soir. Pourquoi ça a pas l'air de marcher des masses?
Ah si, ça a marché. C'était bien ça, donc. Ah, un flingue. Je sais pas ce que c'est. Et une cassette. Une cassette audio. Ah, c'est un micro, ça, d'accord. Alors, est-ce que je peux utiliser la cassette ? Non, moi je ramasse les flingues. C'est une PC Engine Duo. Non, c'est un TeleQuest. Ah ouais, je peux avancer l'heure, dis donc. Y en a qui te demandent un tissu avant de le toucher. Ouais, mais ici, vois-tu, nous sommes dans une production française. On sait très bien que la police, elle ne sait pas prendre des empreintes digitales, hein, donc... Ah, le chat est de retour. Alors... Ressors la cassette. Ah, on peut pas l'écouter. Il y a aucun appareil où on peut l'écouter, cette cassette. Ah bah si, merde, il y avait le truc. Le lecteur de cassette, je l'avais oublié, merde. Alors, Titus s'est occupé de distribuer le jeu, je crois, parce que c'était pas du tout Titus qui était indiqué au début. Et bonsoir Roddy. Comment ça va? Je retourne au studio d'Irina, du coup. Comment ça me faire chier de taper le code à chaque fois, hein. Bon écoute, on va dire que ça peut aller. Donc je reprends la clé. Non, ce qui est bien, c'est que tu fais pas 50 fois les mêmes choses. Alors, la cassette audio, elle est où? Ben vous allez rire, mais ça marche pas non plus, hein. Eh, hey, mais c'est fait pour écouter une cassette audio, ça, bordel! C'est quoi ce jeu de logique de merde? Cassette, lecteur, lecteur, cassette, écouter cassette sur lecteur. Ben non, c'était écrit cassette audio. J'ai de l'ouvrir avec le flingue, moi, tu vas voir. Flash d'information spéciale. Ah, ça, par contre, ça marche. Notre confrère du journal Libération, Paul Kern, est toujours en fuite. La police le considère comme étant le coupable. Non, tu peux appuyer où tu veux. Ça sert à rien. C'est quoi cette logique de merde? Lecteur, cassette. Tu l'écoutes où sinon ta cassette? Bon, elle a garé où sa voiture, l'autre idiote là? Je vois tellement le gars avec une fausse laisse rigide.
Ouais, le lecteur VHS, bien sûr. Non mais tais-toi! Tu m'étonnes qu'il va neiger demain! Ça n'arrête plus, hein! Si jamais elle chante comme ça, la voisine. C'est bon, elle a fini? Ah non, mais magnifique. Hein. Une performance. Non, c'est bon. On arrêtera là. Hein. Devrait aller à The Voice. Hein. Je suis sûr qu'elle a toutes ses chances. Voilà. J'avoue que je m'y attendais vraiment pas à ça. Qu'est-ce que ça va encore me réserver comme surprise, ce magnifique jeu? Salut Mathieu, j'espère que ça va. Mais effectivement, t'es arrivé au moment magique. Bon, c'est pas tout ça, mais est-ce qu'il y a un truc à faire dans ce jeu? Ce jeu est plein de détails de qualité, ah oui! Mais après, on se demande pourquoi on critique les jeux français. Surtout de cette époque. Ce sont les apparts des devs. Oui, en plus, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait pas du tout. Oh la vache. Ça m'a perturbé, dis donc. Je suis tout chamboulé maintenant avec cette histoire. Waouh. Pas l'adresse indiquée sur l'agenda. Bah écoute, on va dire que ça va. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une adresse sur l'agenda, mais elle veut pas y aller. Alors attends, rendez-vous 22h au Morlof. N'empêche, dans un sens, ça peut être bien, ouais, tout à fait. Là, elle va au resto, donc c'était avant le confinement. Ouais, non, mais je m'attends à tout maintenant, hein, de la part de ce jeu. Chercher clé de voiture chez Stéphanie au 34 rue Saint-Denis. Mais j'ai les clés de la voiture, apparemment. Maintenant, il manque la voiture. Ah. Bonjour. L'assassin pris en photo à la une de plusieurs quotidiens nationaux. Le meurtre d'une femme hier sur Montmartre. Un inconnu a remis une photo à la police. On peut y voir nettement le journaliste Paul Kern penché sur la victime, une arme à la main. Eh ben dis donc, hein. C'est de plus en plus laconique, hein, les trucs BFM. Ah ouais, non, mais les médias, hein, c'est un peu... Ben c'est un peu comme les vrais, hein. Ils ont une info, ils font que ça. Attends, est-ce qu'on peut voir où elle est, celle qui chante? Utilise les jumelles. Utilise les jumelles. On va la chercher. On va l'enregistrer, j'ai une cassette. Tiens, en parlant de cassette, est-ce qu'il y a un lecteur de cassette ici? C'est une denrée rare, hein, quand même, le lecteur de cassette. Même pas un lecteur de cassette, rien. Mais donc que dalle, rien, zéro. Bon, attendez, on va essayer de voir si on peut aller chez moi.
toujours les flics. Le suspect est arrivé chez lui. Et ça pour me faire penser, puis quoi encore? Il y a le journal qu'on avait... Voilà. Même la presse, tu vois. La radio, la télé, le journaux, c'est bon, hein. On a compris. N'empêche, ils sont forts, hein. Ils ont réussi dans la même journée à imprimer le truc qui venait d'avoir lieu le matin même. Logique du jeu, zéro. Je peux même pas rentrer dans l'église. Vraiment limité ce jeu. Ouais, c'était où d'ailleurs? C'est quand je voulais aller chez... Je sais pas, chez Irina. Ah, studio de Stéphanie. Ah, c'est nouveau ça. Attends, je l'avais pas celle-là. Vas-y, refais-moi une sauvegarde parce que la dernière fois que j'ai parlé à une fille, elle m'a tiré une balle entre les deux yeux. Donc, on va dire que... On va essayer d'éviter, hein. C'est la musique à l'intérieur, ça? Tu voulais te mettre à genoux dans l'église? Oui, je voulais me confesser. Et dans confesser, il y a con. Sonnette. Tu vas baisser ta musique, oui? Défonce la porte. Bon, de toute façon, je suis déjà chargé par les flics, hein. Tire sur la porte. Aucun moyen d'être créatif dans ce jeu, hein. Défonce-la, cette porte! Un grand coup de pied dedans! Ok, j'ai compris, c'est pas la bonne. Utilise le couteau. Il y a fessé aussi de compris. Oui, je le savais! Et là, comment tu fais quand tu n'as plus d'idée? Surtout que le jeu appelle la chanteuse. Ah oui, je l'entends bien chanter là-dessus. T'imagines le pire? Je me fais striker sur YouTube à cause de la chanteuse à son balcon. Ah désolé, c'est un titre très connu, monsieur. Oh non! Ah non, je supprime la vidéo direct, hein. Bon, c'est pas ça, mais comment on défonce la porte? Ah ouais, tu peux rien faire d'autre. Carte grise. Ma clé. Et j'ai pas d'autre clé, hein. Ah. Ah ça, il n'y a pas beaucoup de gameplay, ça, je te confirme. Non mais elle arrête jamais la musique. T'as beau avancer l'heure, ça change rien.
trop tôt. On va attendre 22h, comme ça elle sera obligée de couper la musique, c'est ça? Et là tu sonnes. Ring, ring. Là je suis chez le... Je sais plus comment elle s'appelle. L'adresse qu'il y avait dans le carnet, qui est apparue sur la carte finalement. Bah non, elle a pas l'air fermée, mais tu peux pas l'ouvrir. Trop tôt, bah attends, on va avancer. 20h. Ah! Bah il serait temps que tu ouvres la porte, toi! Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Je te tirerais bien une balle entre les deux yeux pour ça, mais bon. Elle me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus où je l'ai vue. Tu vas m'être d'une grande utilité, hein. Bon, je vais regretter ce que je vais faire, parce que la dernière fois, ça m'a valu une balle entre les deux yeux, mais bon. On va utiliser ça d'abord. Ah, vous venez rechercher les clés de voiture qu'Irina avait oubliées chez moi, les voici. Sympa la nana, hein. On dirait le début d'un mauvais film porno. Tiens, c'est bizarre, il y a des commentaires qui se rejoignent là. C'est une brave fille. Il me regarde d'un air bizarre, lui. T'arrêtes de me regarder avec autant d'insistance là. Oh. J'ai peur. Monsieur me regardait bizarrement. Les flics sont toujours là? Ah ouais. On va peut-être pas aller chez moi encore, hein. Eh bien, à un moment, ils vont finir par partir, c'est pas possible. Ok, elle m'a donné les clés de voiture, mais... Elle est où, la voiture? Chaise, place du tertre, studio d'Irina, Virginie. Ah, peut-être. Ah non, cette heure-ci, les Beaux-Arts, c'est fermé, hein. Non, on peut pas aller en banlieue. La banlieue, c'est pas bien. Ah, bah, il fait nuit, du coup. Ouais, je sais, mais en fait, ça te ramène au dernier endroit où tu étais. On va pas en banlieue. Ah, on peut pas aller au cimetière la nuit, dis donc. Oh bah zut alors, je suis déçu. Est-ce que les flics sont toujours là? Ah, je crois que les flics sont pas là, on va faire un test. Fallait attendre la nuit. Ah! Ils sont toujours là! Non, non, ils sont toujours là. On n'y va pas. Bah, je voudrais bien aller voir sa voiture, mais je sais pas où elle est. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a deux clés de voiture, apparemment. Très bizarre. Non, non, elle m'a donné les clés, et puis elle m'a claqué la porte au nez. Sympa, cette fille. Sympa, cette fille, je te... Je savais que j'aurais dû sortir le flingue, le flingue et la menacer, ça aurait été mieux. Et n'empêche, vous remarquerez que, en dehors de Paris, il n'y a rien autour. Que de la verdure! Je trouve que c'est une carte extrêmement représentative de l'île de France. Ouais, t'es quelque part dans la forêt, là.
au milieu de la flotte. Bon, c'est pas tout ça, mais... Je peux pas écouter la cassette. Oh, j'ai... Et à chaque fois, tu dois te taper ça. Hein. Ta gueule, le chat. Ah bah oui, c'est un support d'avenir, hein. Il a rencontré un énorme succès, le CDI. Avec des jeux pareils, attends, franchement. Ah, il y a du courrier. Ah, merde, que de la pub. Sonia coiffure. Génial. Ramonage conduit et cheminée. Ça pourrait être mal pris, cette histoire, hein, quand même. Madame Lydia Loire, voyance, astrologie et tarot. Grande braderie de tapis d'Orient. Il y avait que de la pub. Et maintenant je fais quoi? Je téléphone pour un rendez-vous, c'est ça? Ah, parce qu'il y a un parking. Ah ouais, avec la clé. J'avais pas compris qu'il fallait utiliser la clé pour aller au parking. Kiki, quand tu m'as dit va au parking, c'était dans l'intention de me faire tuer, c'est ça? C'est le cas, tu as bien réussi. Non, pas vraiment. Bah, c'est réussi quand même. Le parking de cet immeuble est extrêmement mal fréquenté. Ouais, j'espère qu'il y avait une sève récente. Hein. Ah bah, du coup, il m'éjecte. Non, t'as pas le droit d'utiliser une sauvegarde. Hein. Non. Dégage. Game over. Hein. T'as perdu. Du coup, c'est là qu'est la voiture. Bah ouais, c'est là qu'est la voiture, puisque c'est là où je peux pas aller. En fait, toutes les vidéos du jeu, elles étaient au début. Ce faux logo, Lucas Sac. Il craint le parking. Non, pas du tout. T'es trop mauvais, ouais, voilà, c'est ça. Je suis trop mauvais, je peux plus jouer. Bon, bah c'était où la dernière... Ah oui, c'était avant de rentrer chez moi. Ah, tu sais quoi, je pense qu'il vaut mieux y aller de jour dans le parking. Hein. Oh punaise, mais ça me déprime ces musiques. Allez, dors. On va essayer d'aller dans le parking de jour. Ah, tu me dis, va chez toi. Alors, attends, tu me dis, va chez toi, va au parc... attends, je recommence. Je vais recharger, tu me dis, va chez toi. Bah, j'y étais chez moi. T'es sûr qu'il faut aller chez moi parce que j'entends les flics quand même, hein. Moi je le sens pas, hein, tes conneries encore. Je vais encore me faire tirer dessus. Ouais, va au parking.
Ah non, il y a personne. Ah bah du coup, ok, bah je suis chez moi alors. Mais y a pas... Ah, y a un truc là. C'est quoi qu'il a pris? Un appareil photo. Après 21h, ok, d'accord. C'est pas flagrant, hein, parce que on entend toujours des radios de police, donc moi je considère qu'ils traînaient toujours dans le coin. D'accord, c'est bon à savoir, les flics, après 22h, ils travaillent plus. En tout cas, dans ce jeu. Faut arrêter avec ces trucs où il te fait sortir, hein. Y'a qu'un appareil photo à récupérer, parce que... paraît un peu léger, cette histoire. Pourtant, c'est tout ce que je trouve, hein. C'est normal, c'est le bruit de porte, là. Monsieur a un Canon EOS 300. Dans le parking, tu devras utiliser le flingue. Ah bah c'est bon, je l'ai déjà. Bon bah écoute, j'ai trouvé qu'un appareil photo, donc bah je vais me contenter de l'appareil photo. Ouais, j'ai sauvegardé avant de descendre dans le parking ce coup-ci, hein. Au cas où, hein. Alors, hop. Oh, ce vieux bruit de flingue tout pourri. Ah ouais, il y en a plusieurs en plus. Ah ouais, deux. Non mais c'est surtout le bruit de flingue. Mal fréquenté ce parking. On dirait... on dirait une bombe. Bonsoir Henri, j'espère que tu vas bien. Ah, c'est ça que j'ai trouvé. Un morceau de papier avec le code WARXBD. Ce n'était même pas la voiture en haut, c'est une Twingo et en bas aussi. Ah si, avec l'animation qui laissait à désirer, hein. Mais c'est vrai que ça fait plus penser à une Twingo qu'à... C'était censé être une Super 5, je crois. Hein. Ils ont même pas les moyens de leur truc. Attends, mais c'est tout. Je peux même pas utiliser l'autoradio pour la cassette. Ah, si. Attention. Mon père a toujours été un agent de la CIA, faussement réfugié en URSS en 1960. Spécialiste de la propulsion, il a pu fournir des secrets militaires par mon intermédiaire, lors de fréquents voyages à Vienne que j'ai commencé à l'âge de 17 ans. En 1982, j'avais 20 ans, je suis allée à Vienne en sachant que ce serait un voyage sans retour. J'ai pu livrer la totalité des informations sensibles de mon père aux Occidentaux, me sachant recherché par les services secrets français qui m'ont assuré de leur protection. Ah, ça a marché. En 1985,
J'ai été retrouvée. Et en échange de ma survie et de celle de mes parents, j'ai dû m'engager à être agent double pour le comte de Moscou. J'ai prévenu mon officier traitant de la DGSE qui a accepté que je poursuive mon action pour les deux services à la fois. Pour les pays de l'Est, j'ai accepté de contacter le plus possible de diplomates en poste à Paris pour collecter des informations sur leur centre d'intérêt. Après l'effondrement du rideau de fer, le colonel Morlov est devenu mon supérieur direct. Ah, Morlov. C'est là que les choses ont commencé à changer. J'étais chargée d'organiser des expositions à Paris, ayant trait à la peinture russe d'hier et d'aujourd'hui. J'ai été chargée des passages en douane, de la protection du convoyage, et de la remise des tableaux à un certain Dimitri Tiokhin, travaillant lui aussi directement sous les ordres du colonel Morlov. J'étais également chargée d'organiser l'accueil d'accompagnatrices russes destinées à jouer le même rôle que moi auprès des diplomates, notamment dans certains lieux de jeux clandestins et de plaisir, assez prisés par ces messieurs. Dimitri Tiokhin, quant à lui, se chargeait de toute l'organisation des expositions dans la capitale. Les accompagnatrices furent systématiquement inscrites aux Beaux-Arts dans le cadre d'échanges culturels franco-soviétiques, mais je n'avais pas à m'en occuper une fois inscrite. J'ai enregistré quelques données sur mon ordinateur. Le login est Irina. Il suffit ensuite de taper le nom d'une personne ou d'un lieu pour en obtenir la description. Comment dire, après avoir fait les extraterrestres avec Tex Murphy, se retrouver avec un truc aussi... Voilà. Changer de standing quand même. Avant c'était Roswell, les gros vaisseaux spatiaux et... Puis là, franchement, t'as envie de t'endormir. J'ai bien dormir après, je crois. Du coup, c'est tout, je suppose. Allez. Ah non, c'est pas Tex Murphy, là, effectivement, je suis d'accord. Hein. C'est plus réaliste. Bah, je sais pas, le côté réaliste, ça devient chiant, quand même. Allez. Alors, c'est quoi le truc... c'est quoi le mot de passe? C'est Wackete, c'est ça? Franchement, mais c'est qui met des mots de passe pareils sur ce... Vexard. N'importe quoi. Elle. Vex. R. T. C'est bien. Alors, elle est en interface DOS en plus, hein. Alors, Morlov. Ah, et même pas une photo, hein. Le colonel Morlov, il se retrouve régulièrement au Joris Bar le soir avec Pavlov. Son bureau se trouve en face de ce studio. Joris. Joris Bar, 12 rue de la Gaîté. Morlov y est très souvent le soir, mais je ne sais pas comment on y entre. Téléphone 364 8904. Ok. Joris Bar, bonjour. Allô? Allô? Oh, c'est pas fini la plaisanterie. Et on peut même pas lui répondre, hein. Ah, tu m'as dit Pavlov. Ok, bah donc il faut recommencer. Vex. R. Bitte. Pavlov. Il se rend aux Beaux-Arts tous les jours à 15h. Il a subi une récente opération à la jambe droite suite à un accident de voiture.
dit, faut aller revoir la brave fille. Non, non, on s'en fout. Je suis même pas sûr qu'il l'a pris, donc je vais peut-être faire gaffe, mais... Ouais, si. Là, ça devrait être bon. Ton avis, si je vais voir la voisine à 11h du soir, elle va être heureuse. Elle m'a déjà tiré une balle quand je lui ai montré la photo, alors... Elle n'attend que ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Je peux pas lui montrer un truc Comment vous êtes-vous procuré la carte d'identité d'Irine ? C'est vous qui l'avez tuée ! Mais non ! Elle est toujours aussi sensible, hein, cette fille. Elle est un peu trop sur les nerfs, je trouve. On va essayer d'avancer. Elle est un petit peu sur les nerfs. Alors, est-ce qu'on peut aller au Joris Bar ? C'est pourquoi ? C'est pour boire un coup. La direction les Beaux-Arts, c'est fermé à cette heure-ci, hein. On peut pas y aller avec le flingue. Bah dis donc. Allez, je veux rentrer. Non, on peut pas utiliser le flingue, hein. C'est vraiment pas sympa, hein, comme truc. Repose-toi. Ah bah s'il faut me reposer, direction l'hôtel, c'est ça, et hop. Ça fait très musique de film porno quand même, hein. Et on attend 15h pour pouvoir aller aux Beaux-Arts, c'est ça? C'est le genre de musique, non? T'es fermé. Ah oui, c'est fermé. Ah oui, c'est toujours fermé, hein. En fait, les seuls FMV qu'il y a, ce sont les passants. Non mais jamais ça ouvre, ce truc.
Et ils ont embauché des gens pour faire ça quand même. Ah! J'ai une photo de Pavlov! Et sinon, ça me sert à quoi cette histoire? Va revoir ta copine, la fille qui me bute à chaque fois que je lui... Ah mais il m'énerve ce chat là. Sors le flingue. Bon alors attends, cette fois, on va sauvegarder avant, hein. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez ? Je viens t'apporter de la pub. Mon Dieu, c'est l'homme qui a essayé de me tuer. Je ne le connais pas, mais c'est un ami d'un certain Morello. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que j'étais l'ami d'un certain Dimitri Tiokhin et que j'ai souvent vu Morlov et le blond ensemble au Joris Bar le soir. Je sais que pour y entrer, il faut montrer un joker. Partez vite. Aidez-moi si vous le pouvez. Hey, tu m'as tiré deux fois dessus, tu te démerdes maintenant, hein, ma grande. Et où c'est que je vais trouver ça, un joker? Y'a pas de jeu de cartes dans ce putain de jeu. J'étais trop... Tu vas finir trop tôt. Je sais pas si c'est vraiment une mauvaise chose, hein. Au moins, on passera vite à autre chose comme ça. J'ai pas spécialement envie de faire de live dessus, va comprendre pourquoi. Ok, c'est vert, mais à cette heure-ci. Club Joris. J'ai encore d'autres jeux atypiques. On va essayer de faire un bon jeu entre les deux, d'accord? Et ça se voit tellement que le Joris, il a été rajouté. À mon avis, c'était Club Sex. Vu le peu de place qu'il y a et vu la taille des lettres, ça laisse peu de place pour une imagination. On est tombé sur un sex shop en fait. Non mais attends, quand tu vois le type de jeu que c'est, je suis désolé, hein. Ah bon, avoir l'esprit mal tourné, hein. Demandez le journal.
Affaire Yanova, des révélations exceptionnelles. Les dernières révélations sur l'affaire Yanova. Demandez le journal. Ah, ça pourra s'arranger le liquide blanc, t'inquiète. Rien faire. Donc chez moi c'est pas recommandé. Studio Stéphanie, y'a rien. On va finir par y aller au commissariat, ça continue hein. Appartement d'Irina, non je pense pas. En fait, c'est le dernier endroit que j'ai pas visité, hein, le commissariat. Oh, j'ai fait une sauvegarde, allons-y. Le truc con, faut pas piquer les trucs devant le commissariat. Eh, n'empêche, les flics, ils sont pas venus, hein. La police fait bien son travail dans ce jeu. Ah, si, quand même. Eh, il faut quand même deux fois, hein. Eh, le monsieur, il me prend bizarrement, quand même, hein. Je suis un agent de la DGSE, les services secrets français. Ne cherchez pas à comprendre. Prenez la fuite et cherchez votre amie. Nous savons qu'elle a été enlevée. Pas un mot à la presse ou on vous lâche. Installez-vous dans un hôtel quelconque, évitez la police. Et ne posez pas de questions. Faites ce qu'on vous dit et allez-y. Bousculez-moi et fuyez. Bousculez-moi et il fait la gros pas. Oh merde. Il a dit bousculez-moi, il a pas dit filez-moi un grognon, hein. Le mec est carrément... Ouais, allez-y, bousculez-moi. Il s'essouffle vite, ce monsieur, hein. Le mec qui insiste. Même pas peur. Bon, faut arrêter maintenant, hein. Non, mais j'aime le cogner, le monsieur. Ah merde, ça marche pas deux fois. Oh zut. Oh bah mince alors! Je voulais encore le cogner! Aïe aïe aïe! Oh, ça aurait été drôle quand même, hein! Coucou! Paf! Bon, on va essayer d'être sérieux. Elle répond plus. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup? Voyons voir, essayons de revenir. L'appartement d'Irina. L'appartement donc. Hein. Pourquoi elle habite au 7ème?
Là, il a écrasé le chat au passage. Là. De nouveau de la musique de... Ouais. Le chat lui a demandé de le bousculer. Donc il lui a filé un coup de pied au cul. N'empêche, les FMV, ça sert à filmer les ouvertures de portes. Eh, ceci est un comité du CCC. Ah ouais, on va regarder la télé. Ah merde, il n'y a toujours rien. Autant j'avance bien dans les jeux d'aventure d'habitude, mais autant celui-là, je sais pas pourquoi. Ah, il y a un truc là. C'est quoi? C'était déjà là avant, mais je pouvais pas le prendre. Ah bah là, tout à coup, tu peux le prendre. Ce monsieur est très chiant. Il ne prend les objets que quand ça l'intéresse. Ah non, je l'avais vu la carte, mais il voulait pas la prendre, j'ai l'impression. Proto. On va avancer un peu l'heure. Alors, ah ben j'avais compris, ok, montrer carte. C'est pourquoi. Entrez, c'est au fond. Il a une bonne tête de videur. Eh, ça me rappelle un club sympa, j'y étais dans Phantasmagoria 2. La salle SM, elle est où? Eh, je voulais pas sortir. C'est pourquoi? Ah, c'est moi, je suis sorti, mais je voulais pas sortir. Entrez, c'est au fond. Donc, surtout pas à gauche. Ah, mais faut dire que c'est tellement bien indiqué aussi, hein. Ah, j'ai trouvé les chiottes. Et il y a un truc que j'ai récupéré dans les chiottes, mais c'est quoi? Une clé trouvée au Joris. Parce que les gens laissent traîner leurs clés. Oh bah utilise la clé. Tu vas faire des photos? C'est pas discret d'un côté. Ah ouais, quand même. Je sais plus, non, j'ai pas dû le dire. Je crois qu'il est sorti dans les années 90. C'est quoi ce spectacle du pauvre?
1995, ok. Non, moi, j'aurais pas mis cette musique, j'aurais demandé à l'autre qui a chanté dans la rue avant de me dire faire le truc. Encore me faire striker à cause de la musique, tu vas voir. Oh, super le striptease. J'enlève ma chaussure. Ça t'excite, hein? Je suppose que c'était pour le côté sulfureux du jeu, ça? Oh, mon Dieu! Là, je vais me faire striker parce qu'il y a deux seins! Merde! Attends, mais cache-moi ça. Voilà, cache-moi ça. Cache ça! Faut le cacher parce que sinon on va se faire striker. Non mais elle a enlevé la culotte. Non, elle est toute nue maintenant. Attention. Merde. Il faut la cacher avec le sablier. Non mais c'est pour ça que tu m'as fait aller au club en fait. Pour regarder un strip. C'est pourquoi? Oh bah je vais revoir la deuxième séance hein. Entrez, c'est au fond. Au final, il est pas si mal ce jeu. Ah bah maintenant que vous avez vu du sang et puis de la foufoune, hein, là il est bien le jeu, hein. Ah non, pas encore, ah non, Le pire, c'est que tu peux vraiment le voir deux fois, hein, c'est un jeu pour pervers, en fait. Ah bah non, on va pas la remettre à chaque fois, hein. Vous avez qu'à l'acheter, ce jeu. Ah, c'est vrai, il est gratuit, merde. Non, tu n'as pas payé pour ça, je suis pas encore monétisé. Quand ce sera monétisé, on pourra mettre de la foufoune. 3615 code ULA. Ça restera dans le ton de la période de sortie du jeu. Celle-là, je clip. Je suis censé entendre une conversation. Bah non, mais j'ai vu des seins. C'est pourquoi. Entrez, c'est au fond. Je suppose que la conversation, c'est celle-là, mais... Striker à cause de l'affaire Morlov, ce serait quand même magnifique, hein. Non, mais j'attends quand même une réclamation de YouTube, hein. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va avoir quelque chose. Ah, monsieur, il y a du sang, il y a de la foufoune. Je suis désolé, nous sommes obligés de censurer votre vidéo. Plus sérieusement, comment je vais entendre cette conversation? J'ai un micro-canon, attends. Vous allez entendre une conversation entre les deux hommes au propos de la baguette de bois. Non mais c'est une blague. La baguette de bois. Attends, dans le contexte, ça peut être très mal interprété cette histoire. Oh non, la baguette de bois. Et le coup de bambou, tu le connais aussi? Non mais faut arrêter les conneries là. Bon, je lance le strip. Mais on peut...
Mais tu peux pas sortir de là, en fait, hein. Y a pas un truc à cacher avant, ou... Mets ta tête devant. Comme ça. mais comment tu veux mettre ta tête devant? T'as des gros plans. Ah, attends, Non, mais... À part se déshabiller, non, je suis désolé, hein, mais... Voilà. la frustration extrême. Ah ouais, je reviens, attends, hop. Attends, y a un truc à faire, j'en suis sûr. Je dois avoir un truc à faire avant, hein. Bon, rappelle-moi de faire un jeu tout public la semaine prochaine, hein, par contre. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas entendu parler de la baguette de bois, hein. C'est une métaphore, non, tu crois ? Après le strip, il t'éjecte du club. Je vérifie quand même, mais on peut rien faire. Placez-vous entre Joris et l'autre homme. Oh non, oh non, 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 non. C'est quoi ces plans? Bon. On va laisser le striptease, hein, puisque je peux rien faire. Mais du coup, attends, je vais essayer un truc. Je vais tenter un truc, attendez. Voilà. Vous voyez plus rien? C'est normal. On va faire un gros bloc tout noir, voilà, vous voyez plus le striptease. Non, je déconne, attends. Hop. Hey! Regardez! Voilà! Comment ne pas être striké? Oh bah oui! Bah attends, voilà, plus petit. Voilà! On lui a fait un petit paravent. Bonsoir Daniel! Eh non, mais c'est pas mal, hein! Eh, hey, c'est joli quand même, hein. On voit toujours ses pieds. Non, les pieds, ça passe. Et ce qui est bien, c'est que moi, je vois la séquence non censurée.
En fait, j'ai l'impression que c'est la même que tout à l'heure qui chante, hein. Elle chante aussi faux, je trouve. Ah ouais, le carré, il est bien, hein, il couvre bien. Plus un geste. Ah, quoi? C'est quoi cette connerie? Eh, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, mais c'est quoi, ce bordel? Espèce de pervers, vous l'avez regardé 5 fois! Ah non, mais j'y crois pas! Non, non, mais attends, mais c'est quoi cette blague? C'est la police YouTube, ben voilà, tout à fait. J'ai été striké avec vos conneries, voilà. Demandez le journal. On va recommencer. Pourquoi? C'est pour la baguette de bois. Entrez, c'est au fond. Essaie de trouver une place à côté de Joris. Parce que tu crois qu'on me laisse le choix en plus de la place? Attends, je reprends la clé qui est là. Alors, moi ce que je propose, c'est de sauvegarder ici. Alors attends. Oh merde, elle est de nouveau là. Alors attendez. Hop! Le retour du carré noir. Eh, n'empêche, pour coller avec la période, le carré il devrait pas être noir. La marchandise est bien arrivée à la baguette de bois. Tu devrais aller la chercher ce soir même. Devrait être blond. Ah, c'est où la baguette de bois? Vas-y. Mais c'est où la baguette de bois? Non mais une fois qu'on a parlé de la baguette de bois là... Bon, j'ai le droit de me barrer du coup? Non, t'es obligé de te taper tout le striptease, hein, quand même. Oui, touch me. Attends, je retire le petit carré. Hop, a plus de carré. Ça lui a coûté cher, alors il ne coupe pas. Bon, bah oui, la baguette de bois, ok, mais baguette de bois... On parle pas, cette histoire. Non, c'est... Faut que je tape baguette de bois sur l'ordinateur. Dans tout film français, il y a forcément une femme toute nue. C'est pas ça qui fait la qualité du film, hein.
N'empêche, je suis curieux de savoir ce que YouTube va te penser de ce super jeu. Surtout la séquence du striptease. Ah oui, c'était pas Wackete, c'était quoi de nouveau J'ai rien sur la carte, attends. Si je vois baguette de bois, alors là je suis mort. Home sweet home, Père Lachaise. Studio de Virginie, studio de Stéphanie, commissariat, Beaux-Arts, hôtel, Joris Bar. Ah si, il y a baguette de bois. Bah allons à la baguette de bois. Ça s'appelle réellement la baguette de bois. Pas la bonne clé. La clé, clé de jury. Utilise le couteau. Alors la clé ça marche pas, le canif ça marche. Oh non! Non! Merde! Non mais c'est... Ah c'est oui, la baguette de bois, oui. Hein, ce que je disais, c'est le coup de bambou. J'ai sauvegardé avant le striptease. Enfin, après le striptease surtout. On va pas se le retaper encore un coup quand même. Bon, on va vérifier. Hein. Merde! On va attendre qu'il parle de la baguette de bois. Non, on va le zapper. Hein. Non, j'ai pas fait exprès, c'est ça le pire. La marchandise est bien arrivée à la baguette de bois. Tu devrais aller la chercher ce soir même. Voilà. J'ai sauvegardé devant la porte. Alors, attends. Sauvegarde. À la baguette de bois. Attends, je prépare le flingue. Ne me faites pas de mal. C'est Morlov qui organise le trafic de crack en provenance de Russie. Dimitri Tiopkin assure l'entrée des tableaux en France. Morlov possède un château en banlieue. À Vaucresson. Au 2 allée des Pins. Oui, c'est Pavlov qui m'apporte les cadres et vient chercher l'héroïne. Ouais. On dit ça, hein. Attends, hop. Hop. Eh, hey, dis donc, on peut aller en banlieue. Ouh.
C'est clair que t'as grimpé trois marches, hein. Le gars, il est exténué. Fais gaffe. On n'est pas loin du Père Lachaise, oui, oui, on entend les mêmes bruits. Ah, vite! Mais j'ai pris le flingue! J'ai pris le flingue! J'ai pris le flingue! J'ai pris le flingue! On est marre! Ah oui, c'est la fin, tu peux le dire, oui. Oh putain, il est nouveau là. Enfoiré! Mais tiens, je l'ai là, le flingue! Il commence à m'énerver, ce monsieur. Non, c'était pas là. C'était celle-là. On va fouiller un peu l'extérieur d'abord. Je suis sûr qu'il faut faire un truc à l'extérieur et qu'il faut passer par le... Ah oui, il est cassé mon canif, merde! Merde! Il a cassé mon canif! Merde! Un truc qu'on peut faire dans le coin. On peut rien faire en fait.
Pourquoi elle est toute nue? Mais c'est quoi cette... Non, mais c'est... Elle est habillée ou c'est parce qu'il y a peu de couleurs, je dis, à dire... Ah si, elle porte une robe, je crois. Ouais, mais j'ai plus de canif, hein. Je suis désolé, ma grande, tu peux pas t'aider. C'est vrai que je peux même pas l'aider. C'est quoi ce truc de merde? Ah bah elle est là, ça y est. C'est magnifique. J'adore ce jeu. C'est quand qu'il se termine? Alors, je suis sûr qu'il faut faire un truc à l'extérieur, mais la question c'est quoi? C'est vrai que j'ai même pas le... Eh, tu vas pas me dire qu'en fait il fallait pas casser le canif parce que sinon y a rien dehors. Y a rien dehors, bon. S'il n'y a rien dehors, on est obligé d'aller dedans. La clé que j'ai récupérée, elle sert à rien au final aussi. Non, je devais forcer la serrure avec. Ok. À part le canif, hein. Mais il veut pas l'utiliser parce qu'il est cassé ou... Salut, Ray. T'as loupé un striptease intégral, hein. Du cul, du cul, du cul. Save. Bon, bah je save. Dépêche-toi avant que ça soit censuré par YouTube. Tu vois, je peux pas utiliser le canif. On a vu des pieds. Ouais, parce qu'après j'ai mis un carré dessus pour éviter de me faire striker. Bah, je suis désolé, le canif c'est la seule chose qui pourrait m'aider à la sauver et ça marche pas. Hein. Moi qu'on puisse cliquer, mais elle veut pas. Ah ouais, ouais, non, mais ouais, avec le canif cassé. Je peux pas. C'est con, hein. Nous avons un léger souci. Comment je libère la fiancée avec le canif si on ne peut pas utiliser le canif? Nous avons un léger problème. Ouais, là, je veux pas dire, mais nous avons un... Mais comment réparer le canif?
S'il y en a un qui a une idée, je suis preneur. Ouais, t'as raison. C'est pas bien de faire souffrir les gens. Bah même le flingue, je peux pas l'utiliser, tu vois. Utilise la carte à jouer. Cette clé m'a l'air bien tranchante aussi. Bon bah je suis désolé chérie hein. Mon couteau il est cassé, je sais pas comment te sauver. Bah... C'est là... Tu vois, en fait, ce qui est marrant, Kikiche, c'est qu'on avait dit on faisait pas elle parce qu'on n'arrive pas à finir le jeu. En fait, l'affaire Morlov, c'est encore pire, on n'arrive pas à le finir non plus. Est-ce que tu as des jeux dans ta liste qui se terminent? C'est la question que je te pose. Parce que là, en fait, il y a un petit souci encore. Bah c'est toujours mieux d'avoir une fin quand même, non? J'ai entendu essayer de voir du coup s'il y a moyen de faire quelque chose là parce que la pauvre elle gueule. Ouais, mais ton jeu, il dure 3 ans. Regarde, celui-là, il est bien, il dure un live. Bon, on peut pas le finir, mais... Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fini, ce jeu, en fait hein? Bah c'est ce que j'ai essayé mais bon à part gueuler elle sait pas faire grand chose hein. Attends pour enlever la clé. Non le monsieur il est pas doué en fait hein, il veut pas. Non il veut pas hein. Bah j'ai ouvert la porte de tout à l'heure avec le canif. Tu vas me dire, n'ouvre pas la porte. Je dirais, très bonne idée. Je suis en train de regarder un truc, attends. Dans la vidéo, il ouvre la porte, mais ça ne casse pas le canif. Ah bah moi, ça casse le canif, hein, je suis désolé. T'as trouvé un long play ? Il y a deux longs plays et il n'y en a pas un qui... Parce que si dans ton long play le... Le truc ne casse pas, c'est qu'il y a un souci.
Attends. Moi, ce que je vais déjà faire... Parce qu'elle m'énerve à gueuler comme ça. Le canif ne casse pas. Bah si, il a cassé, là. Hein. Voilà. Je suis de nouveau devant la porte. On va faire comme ça, donc. On va vérifier. Et si, il casse, hein, tu vois. Ne me faites pas de mal. C'est Morlov qui... Et le canif a cassé, hein. Il doit avoir quelque chose, effectivement. Moi, c'est cette clé que j'ai trouvée que je vois pas à quoi elle sert. Attends. Pour moi, c'est la clé qui devrait permettre d'ouvrir sans utiliser le canif. Mais elle sert à rien. Ouais, enfin bon, canif, couteau suisse, c'est la même chose, hein. J'ai pas de couteau suisse, hein. Ah, bah alors, il se trouve où, ce couteau suisse? On a loupé quelque chose. Chez moi, à savoir. Ah mais ça c'est un couteau chinois que j'utilise, c'est pour ça qu'il casse. Ah non, tu parles de ça? Ah non, non, ça c'est les options en fait. Hein. Vitesse normale, vitesse rapide. Non, moi je pense qu'il y a un bug. En fait, c'est parce qu'on a un jeu piraté. Eh, c'est un abandonware, hein, c'est légal. C'est parce que j'ai censuré le nu. Bah oui, j'utilise sur la serrure, sinon ça passerait pas. Vérifier s'il n'y a pas un autre couteau, mais... Ça a pas l'air, hein. Alors attends, il trifouille le couteau un certain temps sur la serrure. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, il n'y a bien qu'un couteau, hein, on est d'accord. Donc, là. Mais bon, j'ai que ce canif, quoi. Un clic léger, c'est quoi le clic léger?
C'est parce que j'ai le clic trop lourd, c'est ça? Attends, je vais chercher un truc, hein. Ah non, ouais. Il y a rien du tout, en fait, hein. Alors, attends. Ouais, sauf que là, on est à la fin, mais qu'on peut pas la voir. Encore mieux. Ah, mais ça, c'est la baguette de bois, hein, c'était sûr. Non, y a rien indiqué sur ce truc, hein. J'avoue que là, franchement, je vois pas du tout de quoi ça pourrait venir. Bon, attends, si je tape l'affaire Morlof et bug. Si vous voulez voir la fin, allez sur YouTube. Mais venez pas chez moi. Il n'y a aucune info. Ça, c'est ce qu'on appelle du jeu qui est chouette. Non plus. Ah, c'est bien, hein, y a vraiment que des informations super là sur le jeu. Pas un autre moyen de l'ouvrir, hein. Il y a pas 50 trucs, hein. Et non, ça casse, hein. Systématiquement, il casse. Mais elle sert à quoi, la clé qu'on a trouvée? Parce qu'au final, elle sert à rien. À rien. Bah, c'est justement le à rien qui me gêne, moi. Je suis sûr que cette clé, elle sert à quelque chose et que ce quelque chose, ça nous permet en fait de pas casser le couteau. C'est pas possible autrement, hein. Bah non, parce qu'on sait pas où c'est. Il faut que j'ouvre la porte pour que le gars me dise où est la fille. Thank you.
Ah ouais, mais c'est pas possible. Pour savoir où est la fille, il faut ouvrir la porte. Pour ouvrir la fille... Pour ouvrir la porte, il faut le couteau. Et c'est la version CDI. Je n'ai pas de CDI. Bah c'est ce que j'ai dit, il faut défoncer la porte, mais il veut pas ce con. Ouais, bah je sais pas. Là j'avoue que... Bah on peut attendre longtemps, je pense, hein. C'est pas une histoire d'heure, de nouveau. M'étonnerait, mais... Je vais tenter un truc, hein, mais j'y crois pas. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas une solution en anglais, mais non. Se faire striker et on n'arrive même pas à finir le jeu, mais c'est lamentable. Non. Non, il n'y a rien du tout, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Kiki. Vraiment rien. Personne qui s'est dit que peut-être, mais alors peut-être, hein, la version PC est buggée tout simplement. Ouais, ouvrir avec le canif, ouais, non mais... C'est ça, mais le problème, c'est que ça marche pas. Là, il casse, hein, systématiquement. Tiens, je te menace avec mon canif cassé. Ne me faites pas de mal. C'est Morlov qui organise le trafic de crack en provenance de... Ouais, ce qui me gêne, c'est cette clé. Dimitri Tiopkin a sur l'entrée des tableaux en France. Morlov possède un château en banlieue. Pourquoi il y a une clé qui ne sert à rien? Au 2, allée des Pins. Oui, c'est Pavlov qui m'apporte les cadres et vient chercher l'héroïne. Moi, cette histoire de clé qui sert à rien, j'aime pas. Ouais, mais peut-être qu'elle sert, hein. Plus un geste. Ouais, la clé verte. On peut pas aller très loin dans le temps, apparemment. Et c'est ça qui me gêne. Alors, je vais essayer un truc. Faut que je revienne un peu en arrière, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah. Je vais essayer un truc con, mais... non, c'était pas ça que je voulais faire, du coup.
C'est con, mais ça va peut-être être ça, tu vas voir. Si c'est pas ça, par contre, j'ai plus d'idées. Hein. Du coup, c'était... Oui, bon, ça ira là. On va vous faire la version abrégée. Hein. C'est la version automatique. Non, je vais faire un test en fait. Je vais pas prendre la clé verte et je vais voir comment ça se comporte. Peut-être que cette clé verte fait bugger le truc. Non, non, je vais le zapper. Hein. La marchandise est bien arrivée à la baguette de bois. Tu devrais aller la chercher ce soir même. Si, censure. M'énerver ce jeu. Ah si, elle se déshabille totalement. Hein. Faut te le dire, on l'a vu avant. Alors maintenant, on va vérifier. Est-ce que ça va casser? Eh aussi, ça casse, hein. Je m'étais dit prendre la clé verte, ça va peut-être... Ne me faites pas de mal. C'est Morlov qui organise le trafic de crack en provenance de Russie. Non, il y a un truc qui va pas. Kina sur l'entrée des tableaux en France. Morlov possède un château en banlieue. À vos cressons. Non, il y a un bug. Hein. Je suis désolé, il y a un bug. Pas possible autrement. Le canif casse systématiquement. Il faut pas le renforcer à l'adamantium ou quelque chose comme ça. Hein. On a peut-être loupé un truc, je sais pas. Alors attends, on va vérifier. Je vais prendre la soluce dans l'intégralité, on va vérifier. Alors, écoutez le répondeur, ça on l'a fait. Tac, 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 tac. On a pris les clés, ouais, ça c'est fait. On a le code. On est rentré ici. Ça on l'a fait. Ça on l'a fait. Et présent, hein. Bah, l'ISO vient de Abandonware France, hein, donc c'est eux qui ont vu filer une version qui est foirée. Dirigez-vous, là. Ça c'est fait. Ok, jusque là tout va bien. On a tout fait avant, hein, pourtant. Prendre une photo, ouais, c'est fait. Monter au troisième étage, montrer la photo. Ok, utiliser la clé pour rentrer. Coyer au rendez-vous, entrer sonner, prendre une main, tourner à gauche. Ce petit va commencer, vous allez atteindre la première, la baguette de couleur. Non, il n'y a rien. Hein. Non, je viens de lire la solution et voilà. On a fait tout ce qui est indiqué dans la solution.
Seule chose en plus que j'ai faite, c'est effectivement... prendre cette clé verte, mais même en la prenant pas, ça change rien. Du coup, là, je sais plus. Y a pas un truc pour réparer le canif là? Ah, parce que là, je sais plus, hein. Ça me fait pas rire, ça, par contre. On va prendre un nouveau au commissariat. Ouais, je vais aller en chercher un nouveau. Bon, ils sont nuls les flics, je vais aller les chercher moi-même. Hé hey, les gars, vous savez pas faire votre boulot. J'essaie de voler un scooter. Tu peux me réparer mon canif, s'il te plaît? Je suis un agent de la DGSE, les services secrets français. Ne cherchez pas à comprendre. Prenez la fuite et cherchez votre ami. Nous savons qu'elle a été enlevée. Pas un mot à la presse ou on vous lâche. Ne cherchez pas à comprendre. Installez-vous dans un hôtel quelconque, évitez la police. Et ne posez pas de questions. Et tu peux me filer un couteau ? Et allez-y. Bousculez-moi et fuyez. Et il m'a pas réparé mon canif, hein, le con. Non, elle va pas, hein. Canif est toujours cassé, hein. Y'a pas un canif quelque part? Flash d'information spéciale. Affaire Yanova. Les experts sont formels. Nous apprenons à l'instant que les empreintes trouvées sur l'arme du crime sont bien celles de Paul Kern. Ils ont que ça, hein. Non, y'a pas du tout. Y'a rien. Y'a rien du tout. Si au moins on pouvait en chercher un autre, je dis pas, mais... Moi je reste bloqué sur cette clé qui sert à rien. C'est bizarre. Une clé qui sert à rien... Tu vas le faire en mode express. J'essaie de chercher moi aussi, mais j'avoue que... ouais, je sais pas, là. Qu'est-ce que j'ai fait de travers ? Sinon je la refais, je le refais en express moi aussi et puis je regarde si ça passe.
Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il faut pour ça? J'ai fermé mon calepin là. Ah oui. Ah, attends. J'ai bien envie de le refaire en express. On va tenter un truc. Au bout d'un moment, cet avant-stroller finit par arrêter. Bah non, je pense pas qu'il manque qu'une action avant, parce qu'on a réussi à finir le jeu. J'ai regardé la solution, il n'y a rien d'indiqué de plus. Ah, le monsieur n'était pas content. C'est la même solution que les autres. Ouais, je pense que c'est la même. Moi, je cherche une solution qui fait que je n'ai pas besoin de casser mon truc. Ça fait beaucoup de pages de solution à lire. Non, mais attends, je vais te le faire en express. Alors, on va vraiment le faire en express là. Virginie. Là. On va pas prendre les objets qui servent à rien, du coup. Ok, ensuite il faut aller au studio. Attends, j'ai oublié de faire un truc. Tu vois, tu disais avant que j'avais pas vu la carte, mais la carte, je la vois là, mais je peux pas la prendre. Trop tôt. Alors attends, ensuite il faut faire ça. Il me faut. Ouais, si. C'était quoi ça? Il faut le prendre ou pas? On le doute. Ah oui, c'est la carte grise, donc oui, il faut la prendre. Alors, 7181, j'avais gardé le truc. Le truc du micro
résolu ça. Affaire de merde. C'est vrai que la solution elle est pas longue, hein, mais alors par contre le bug. Ouais, la solution dit prendre les objets qui s'y trouvent. Bon bah prenons les objets qui s'y trouvent. Ok, du coup après pas avant 20h. Bonjour, qu'est-ce que tu veux ? Ah. Voilà, on a les clés de la voiture, on se barre. Voilà. C'est là que tu vois que le jeu, tu peux le faire en 5 minutes en fait. Celui se tient sur une demi-page, oui, bah ça m'étonne pas, hein. Ah oui, c'est vrai, il faut le faire... Irina... c'était quoi de nouveau le mot de passe ? T'as plus d'image, oh c'est pas grave. Non, c'est pas Morlof. Je l'avais, c'est... c'est ça. Wax. C'est vrai. J'avais oublié. Donc. Ah bah le temps que tu me le redonnes. Je l'avais trouvé sur la Solus. Alors. Mort. L'œuf. Thank you.
dormi assez longtemps. Les beaux-arts. Ah merde! Oh le con! J'ai oublié l'appareil photo. Et on recommence. Ah bah moi je veux en finir vite avec cette chose. Mon père a toujours été... Ah ouais, blablabla... Bla, bla. On le fait en version express, là, hein. Déjà, ils auraient pu faire en sorte qu'on puisse taper réellement au clavier, parce que ça, c'est pas du tout énervant. On a la photo. On retourne au studio d'Irina. Qu'est-ce que vous voulez? De cracher ses poumons. Je récupère le Joker. On attend. Pas de soucis.
Bon, on est peut-être même pas obligé d'attendre le truc, si ça se trouve. Alors, on va voir si le couteau casse, allez, instant de vérité. Et là, il casse pas. Ne me faites pas de mal. C'est Morlov qui organise le trafic de crack en provenance de Russie. Il va falloir m'expliquer quand même pourquoi ça casse dans certains cas et pas dans l'autre. Morlov possède un château. Et du coup, là, maintenant, je vais pouvoir faire le final. Bon, bah, ne cherchons pas à comprendre, on va voir la fin. Au bout du jeu, on a fait le genre express et ça marche. Je ne comprends pas. Bah non, je l'ai pas spécialement utilisé, je crois. Ah, j'ai pas cherché à la prendre, la clé verte, hein, du coup. Merde, Bon, alors cette fois, le couteau marche. Ouais, on a vu la fin. C'est quand même une sacrée merde, hein. Tout ça pour ça. Yanova. Communiqué de dernière minute. Paul Kern, le présumé coupable du meurtre d'Irina Yanova, ne serait que la victime d'une machination. Il semblerait que les services secrets soient impliqués dans l'histoire. La police a classé l'affaire et se refuse à donner toute explication supplémentaire en l'absence de nouveaux éléments. C'est facile, ça. Et t'as quand même game over à la fin. Ça, c'est du jeu. Non, mais on en... J'ai toujours pas compris le délire autour du couteau, hein. Là, tu fais la version express en 10 minutes, un quart d'heure. Ça marche. Non, en fait, ça change rien. T'as game over à la fin. T'as pas compris le jeu tout court, c'est normal. Je crois que même ceux qui l'ont fait n'ont pas tout compris. Ah non, mais c'est du grand n'importe quoi quand même tout ça, hein. Ah oui, t'arrives pour la fin, mais là on a fait la fin en version express. J'ai dû refaire tout le jeu en 10 minutes pour pouvoir régler un problème qu'il y avait. Il y avait un bug sur mon truc, je sais pas pourquoi. Sinon, bonsoir Tawachette. J'espère que ça va. Bon bah voilà. Non mais t'inquiète pas, Ray. J'ai pas compris pourquoi le couteau n'arrêtait pas de casser sur ma première sauvegarde alors que je n'ai rien fait de particulier. Et là, en version rapide, je refais les éléments purement essentiels et là, ça passe. Je ne comprends pas moi-même. C'est du grand n'importe quoi. Moi, je pense, très honnêtement, que le striptease intégral a fait planter le jeu. Il a eu le couteau tout dur, et puis pouf, il s'est cassé. T'as pas vu la fin? Oui. Tout à fait. J'ai réussi, en refaisant le jeu depuis le début, à ne pas casser le couteau, alors que je n'ai rien fait de particulier. En plus, il y a des trucs en vidéo, on les a même pas vus. Je pense que c'est si tu sonnes à toutes les portes. Ah, mais c'était un jeu magnifique, c'est un jeu français, une production française, avec des moyens français,
Et des bugs français aussi, hein. Ah bah je pense que chez moi il va pas tarder à neiger aussi, hein. Ils annoncent de la neige, hein. Du coup je ne sais pas. Normalement il faudrait que j'aille sur site, mais j'ai... On a dit, on va voir dans quel état sont les routes demain, et si jamais il y a trop de bordel, je fais encore du télétravail. Ça, je pense que c'est le voisin qui doit pas être content si tu vas sonner chez lui. Ouais, bon, bah écoutez, l'affaire Morloff, on s'en souviendra comme le live qu'on voudra pas garder en tête. Le live à oublier. Quelques flocons, moi j'ai vu que ça pouvait aller de 5 à 10 cm suivant les coins. Ça fait plus que quelques flocons, ça. Ouais, bah écoute, je trouve quand même que le jeu est très mal foutu. Mais personnellement, moi je retiendrai qu'une chose, c'est la voisine qui chantait. Rien que pour ça, j'aimerais bien la réentendre. Un jeu qu'il fallait surtout manquer, oui, tu veux dire. Ah, la voisine chanteuse, moi, personnellement, c'est tout ce que j'ai retenu du jeu. C'est le seul truc qui m'a bien fait marrer. Et rien que pour ça, attends, je vais voir si je peux pas la remettre. Je vais voir si je peux pas la remettre, la voisine chanteuse, parce que, franchement, c'était où? C'était au studio, je crois, de Irina. Ouais, je veux la réentendre. Elle est magnifique, cette... Ce truc est épique. Alors, attends, commissariat, non. Allez, chante! Ah, mais ça, on s'en fout. J'entends de la voisine. Je veux pas dire, mais il y a que des femmes qui rentrent. Toi, t'es même pas sorti, tu rentres de nouveau. Et moi, je vais entendre la voisine chanteuse. La voisine chanteuse, c'était où? T'es là. Salut Kemaro, comment vas-tu? Attends, on veut juste essayer de récupérer une partie épique du jeu. Ah. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je retiendrai de ce jeu, moi. Oh, c'est beau. Ça va bien, merci. Là, ça va mieux quand on entend ça. Allez! C'est Laurence Badi qui fait le truc, c'est pas possible. Ça pourrait être elle en plus. Ready!
Oh, j'adore ce moment. Non, non, c'est pas elle. Je la reconnaîtrai. C'est une mauvaise imitation, on veut dire. Oh, elle a fini. Oh, zut. Encore. 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 Elle veut plus. Oh, c'est dommage. Ah. Il suffisait de demander. J'adore. Je vais me la mettre en sonnerie de portable. Bon, le problème, c'est que les gens qui entendront ça, bah, ils comprendront pas. C'est comme triste que ce soit la seule chose bien qu'il y a dans ce jeu. Salut Jay. Oh mon dieu. Bah tu sais, c'est un peu comme dans les boîtes. Quand ils te passent un titre tout pourri à la fin pour faire partir les gens. Bah je fais exactement pareil sur le jeu. Je mets la casserole pour faire partir les gens. Ça y est, c'est fini. C'est fini pour ce soir. On s'en va. Je vais l'enregistrer, je vais la balancer à chaque fin de live. C'est fini, barrez-vous. Si vous restez trop longtemps, elle chante. En fait, ta casserole, c'est depuis le début. Allez, encore. Encore. Tu crois que c'est bon, c'est fini? Ah. Ça y est, elle arrête plus. J'adore cette partie quand même. J'ai pas le désinstallé tout de suite, je crois qu'il faut que je me le garde ce truc. Quand t'as un coup de mou, tu te balances ça et puis c'est bon. Non, fais pas le jeu, on reste ici, on l'écoute chanter, c'est tout. Bon après c'est pas varié, elle a pas un gros répertoire hein, quand même. Ouais, tant qu'on lui dit que c'est bien, elle continue hein. Rue de Rome, on va aller le voir. Bon, bah c'est pas tout ça, mais on va peut-être parler un peu de la suite, hein, puisque c'est pas tout ça, on a quand même fini ce jeu. C'est quoi ça? C'est quoi que tu nous as mis? La douce voix de la voisine. Oh, il nous a fait un truc! Il nous a fait un clip! Je crois que c'est la seule chose que je retiendrai de ce jeu, hein. Bon, alors donc, je disais la suite. Moi qui comptais sur ta belle voix pour m'endormir, je crois que j'ai fait des couches. Ah bah écoute, j'y peux rien, mais moi c'est ce truc qui m'a fait marrer dans ce jeu. Déjà qu'il m'a gonflé à le refaire entièrement pour pouvoir voir la fin. On se fait plaisir à écouter la voisine. Donc la suite. Puisque le mardi on fait du point and click, j'ai décidé de faire un jeu un petit peu plus sérieux pour la prochaine fois. Qui écrase la queue. Ah mais c'est peut-être ça le chat qu'on entend geindre dans la cage d'escalier. C'est peut-être le chat de la voisine. Donc la semaine prochaine, bah, on va commencer un nouveau jeu du coup, puisqu'on a fini celui-là. Non, pas SRAM. On va faire un jeu un petit peu plus étoffé, un petit peu plus sérieux, et si possible un petit peu plus long aussi, ce serait pas mal. Je vais vous proposer en fait de faire la suite des Chevaliers de Baphomet, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Enfin, en début de live. On va faire les boucliers de Quetzalcoatl. Comme ça, on continue un peu les sagas qu'on...
Ouais, il a... tu parles de quoi là, de... des boucliers de Quetzalcoatl ou de... ou de l'affaire Morlov? Moi je trouve qu'il était déjà assez long comme ça, figure-toi. Oh, c'est bon, arrête ta voisine maintenant. Ah bien 5 minutes. Ouais, parce que... Donc les boucliers de Quetzalcoatl, on va l'attaquer la semaine prochaine, histoire de faire un jeu un petit peu plus sérieux, mais en même temps, bon voilà, ça faisait un petit moment que, qu'il était dans les cartons, celui-là. C'est dans le 2 qu'il y a un passage avec le gamin qui a un accent antillais invraisemblable. Ouais, c'est dans celui-là. Et puis, il y a aussi... avec la barque, oui, c'est bien celui-là. C'est aussi dans celui-là que tu as la gamine irlandaise qui arrête pas de poser des questions. Et qui appelle George George. Et il y a aussi les sœurs, les vieilles, là, les... Oui, l'acteur fan de Haiku, c'est dans celui-là aussi. Frédéric Ketch n'était pas un pirate. Je me demande si dans Démétrios, la gamine n'est pas une référence. C'est possible, figure-toi. Faudrait demander à l'auteur. Oh, mais elle va se la fermer, la voisine. Au bout de 5 minutes, écoute. C'est trop. Fallait attendre 15 ans pour lui parler. Elle arrête plus, là. Hé, hey, dites Piaf, tu vas te taire. Terrips. Donc ouais, la semaine prochaine, on attaquera les boucliers de Quetzalcoatl, histoire de faire un petit point and click de meilleure qualité. Faudrait que je fasse le troisième, d'ailleurs. Ah, mais écoute, je ne sais pas. J'hésite encore. Est-ce qu'on fera les épisodes en 3D? Je me tâte un peu, hein. Je les ai. Mais est-ce que ça vaut le coup de les faire? C'est ça la grande question. Mais bon, on va les faire dans l'ordre, quoi qu'il arrive. On va faire... on a fait les Chevaliers de Baphomet, on va faire la boucliers de Quetzalcoatl, là. On verra pour le manuscrit de Voynich, l'Ange des Ténèbres et... je crois que c'est l'Ange des Ténèbres ou l'Ange de la Mort, je sais plus. Mais par contre, la Malédiction du Serpent, c'est déjà un petit peu mieux. On verra en fait si on fera les épisodes 3D ou pas. La logique voudrait qu'il faut suivre la série dans l'ordre. Je suis sûr qu'elle va repartir. La pute. Ta gueule. Ouais, on va y aller, hein. Donc, les boucliers de Quetzalcoatl la semaine prochaine, histoire de faire un truc d'un peu meilleure qualité, on va dire, un petit peu plus sympa. Jeudi, on se retrouve pour la suite de Castlevania Symphony of the Night. Je vais essayer d'être un petit peu plus organisé ce coup-ci, parce que sinon, on va faire des tours du château en boucle, et on n'avancera pas beaucoup. Donc, je vais essayer de voir ça. Ouais, je crois que j'ai dû couper le sifflet, la voisine. Je vais y aller avec le flingue, tiens. Et cette semaine, bah, vous avez un retour en arrière vendredi, je vous rappelle. Hein. Bah, la plupart ont déjà trouvé, donc. Il n'y a plus de surprise, mais pour ceux qui n'ont pas trouvé, je leur laisse encore un petit peu de temps pour chercher. Sur ce, je vous dis à jeudi. Je vais avoir cette chanson dans la tête toute la nuit maintenant. Je vais pas réussir à dormir. Hein. La petite Mireille, c'est la plus belle. mon dieu. La petite Mireille? Ou pas? On va arrêter là, hein, parce que sinon... Ouais, la petite Mireille. Ça, j'en peux plus. Bon, bah écoutez, j'en peux plus, moi non plus. On va arrêter là, parce que sinon, je crois qu'on va l'avoir toute la nuit, hein.
Ah, ça fait du bien de rire. Ça faisait longtemps, j'avais plus rigolé comme ça. Elle arrête plus. Hein. Bon, allez! Bonne nuit tout le monde! Rendez-vous jeudi pour la suite! Bonne continuation dans votre semaine! Moi je crois que je vais me l'enregistrer et que je vais me la passer en boucle maintenant cette chanson. Hein. À jeudi pour la suite de Castlevania! Ce sera un petit peu plus sérieux! Et encore, j'ai un doute. Je sens que je vais le garder et je vais le mettre en MP3 que je peux déclencher sur une pression. Rien pour délirer. Je sais pas pourquoi. Allez! À jeudi tout le monde! Et merci d'être passé! Allez, ciao!